Roma, Internet, bonsoir, hein, j'espère que vous allez bien. Roma Locuta, le talk show 100% AS Roma en français, bien évidemment. Les amis, je suis en retard de 10 minutes, mais vous savez très bien que je suis tout le temps en retard. Les amis, ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, un invité de prestige, oui, parce que ça fait plus de 1000 ans que j'essaie de l'avoir avec nous, et ça y est, ce soir, il est là, Ernesto Pellegrini. Ça va, Ernesto? Ciao Rabal, bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir et donc partager une petite heure avec toi à parler de l'AS Roma. Eh oui, parler de l'AS Roma. Les amis, Ernesto Pellegrini, donc il est beaucoup plus actif pour ceux qui le connaissent sur Twitter, grand tifoso de l'AS Roma. Tout à l'heure, je lui ai demandé un peu plus de précision. Donc 40 ans, c'est ça que tu es tifoso de la Roma, hein, Ernesto, 40 ans. Depuis que je suis né, c'était mon tonton qui m'a offert des cadeaux sur l'AS Roma. Donc c'est parti comme ça, mon amour avec cette équipe. Et depuis les années, donc je suis un petit peu l'équipe. J'ai rédigé des articles, des blogs, des choses comme ça. J'ai fait jusqu'il y a quelques ans, et là j'ai fait juste de Twitter, des tweets sur l'AS Roma pour partager avec les différentes followers, pour partager un petit peu des points de vue, pour partager un petit peu les points de vue différents sur l'AS Roma, sur le Mercato, sur Mourinho et tout le reste. Ben oui. Alors du coup, je le suis depuis maintenant, ben oui, donc 2 ans que je te suis, hein, sur Twitter, que je lis tes tweets. Et donc, un grand passionné, hein, il dit pas de bêtises. Enfin, après, comme je te disais, voilà, personne n'a science infuse sur la Roma, hein, mais voilà, non, vraiment, ce qui est bien avec Ernesto, c'est que voilà, il a des tweets mesurés, des tweets réfléchis, il a participé, comme il a dit, à des blogs de rédaction, etc. Et puis surtout, il parle français, donc ça, c'est quelque chose qui m'arrange. Donc voilà, c'est pour ça que tu es là, ce soir aussi également, Ernesto. Dario, salut Dario, Lolo Lomanis, ça va, chers amis? J'espère que vous allez bien, le bonjour. Et Ayman, il va sûrement passer après, il va appeler, il aura sûrement des questions. Tout à l'heure, je lui ai au téléphone, il posera sûrement des questions, Ayman. Toi, tu es Magloire, voilà, Magloire qui commence avec des bêtises, Ernesto Stallone, et bien voilà, ben non, c'est pas Ernesto Stallone, c'est Ernesto Pellegrini. Le même, alors, oui. C'est incroyable, tu as le même homonyme, le même nom que Lorenzo Pellegrini, bon, Luca Pellegrini quand il est passé, d'autres Pellegrini, hein, qui ont également porté le maillot de la Roma, que bon, je connais pas, parce qu'à un moment donné, je peux pas connaître toute la Roma depuis 1927. Mais en tout cas, voilà, Pellegrini, c'est un sacré nom là, que tu portes vis-à-vis de Lorenzo, quoi. Bah, tu vois, il y a pas mal de monde qui dit, à chaque fois que je fais un tweet sur Lorenzo Pellegrini, tout le monde me dit, ah bah, pour toi, c'est facile de parler bien de lui, tu dois avoir partagé avec lui quelque chose en fonction de ton nom, etc. Donc, effectivement, dans le passé, je me rappelle, il y a pas mal de joueurs qui s'appelaient Pellegrini.
Mais j'ai jamais eu un lien avec eux, Ah, malheureusement. ouais, Et, oh, et moi, je n'étais pas lié au foot. Donc, ah. voilà, j'ai pas eu chance. Jules, salut, Camillo, ciao, donc Camillo, éternel, salut, salut. Donc si vous avez des questions, les amis, là on a vraiment, non pas que nous, on n'est pas des passionnés ou des grands tifosos, hein, mais voilà, là on a vraiment un gars du chaudron, quoi. Et voilà, il est né dedans, et voilà, t'as 43 ans, Ernesto, donc 40 ans que t'es tifoso, et depuis tout petit, on lui a mis la cuillère de l'aroma dans la bouche. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à ce monsieur, c'est maintenant, les amis. Il est là pour répondre avec ses connaissances à tout ce qu'il peut nous répondre. Ernesto, première question, hein, que va te poser, c'est Conference League. Hein, voilà, ça y est, la Roma, deuxième fois européenne, hein, parce que la dernière fois c'était la Coupe des villes de Foire. Bon, parfois elle est un petit peu raillée aussi, celle-là, hein, mais bon, ça reste un titre européen. Mais là, vraiment, ça y est, là on est à notre époque, on est européen avec cette Conference League. Comment tu l'as vécu, Ernesto? Bah, c'est une compétition que j'ai vécue comme une Champions League, personnellement. Ah bah oui, Je me ça. cache pas. Je me cache pas. Nous aussi. Et en plus que personnellement, j'ai pensé. Attends, il y a lumière qui est partie. Il y a plus d'Ernesto. C'est Ouais. voilà. Non, j'ai continué à parler, mais beaucoup bon. Donc je disais, je l'ai vécu comme une Champions League, personnellement. Ouais. Parce que c'est une compétition que je trouve quand même que c'était très important pour l'AS Roma de gagner, de participer, d'arriver très loin. On a discuté depuis longtemps à Rome sur le fait que y a pas trop de trophées qui en a gagné dans les derniers 20 ans. Et on avait vraiment besoin d'avoir quelque chose finalement à partager avec l'équipe, entre supporters. Et on était même content de gagner une Coppa Italia. C'était pour nous le fait de dire, bon, la Rome commence à se relancer avec des victoires très importantes. Et là, c'est le point de départ. Parce que l'objectif cette année, effectivement, c'était de faire une très bonne compétition en Europe, donc Ouais. de pouvoir arriver jusqu'au bout de la Conference League. On partait avec Tottenham comme les deux équipes qui pouvaient arriver jusqu'au bout et donc arriver à gagner le trophée. Et nous, on y est arrivé. Il y a pas mal de monde qui dit, bah, vous avez rencontré quand même des équipes moyennes. C'était la partie de l'Europe, des équipes d'Europe. De plus bas niveau, mais je ne pense pas, parce que je crois que chaque match de 40 minutes, 40, 90 minutes, c'est quelque chose que tu peux gagner, tu peux pas gagner, on ne sait pas. Donc il y a tellement des contraintes, il y a tellement des inconvénients, il y a tellement de choses qu'il faut voir que c'est pas facile. En plus, qu'on jouait à côté la Serie A, le champion de Serie A. Et donc, moi, je l'ai vécu, je dis, comme un Champions League. Et là, je suis encore dans le mode, il y a 2 semaines, là, 2 semaines avant, on fêtait encore la Conference League. Ah, Donc, mais ça ça. reste encore dans ma tête comme quelque chose que, en plus, c'est l'AS Roma qui nous rappelle souvent sur Twitter, le « Ah bah, voilà, Voilà. finalement, C'est mieux comme ça, comme au le moins tu T-shirt. peux, voilà. Au moins tu vois mon » visage Et et on voilà. voilà. Et donc, bah merci à l'AS Roma quand même qui partage aussi avec nous des tunnels cam, tout un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu derrière ce match. Un très très grand. Toi, t'étais à Rome à ce moment-là, de la fiesta et de la victoire, t'étais. Alors, j'étais pas à Rome, j'étais en voyage quand le match a A eu. commencé. Donc, je suis arrivé chez moi, j'ai vu la partie finale du match et j'ai rentré de Turin. Et après, je suis allé fêter à Rome quand il y a eu le bus avec les joueurs qui sont passés, bien évidemment. Ah oui, de Caracalla jusqu'au Circo Massimo. Incroyable, ça Exactement, donc c'était on est une passé fête. devant le. Ah oui, ça devait être une fête tout en osmose, quoi. Là, vous devez dire. Mais non, mais du coup, quand ça, surtout quand c'est la Roma, c'est un peuple qui voilà qui attend.
un titre depuis, depuis 10 ans, hein, parce que la dernière, c'est une vie 14 bonne ans, 14 14 ans, ans. la Copa. Bon, on compte pas la Green Cup, la Mabel Green Cup, on la compte pas trop. Ni la MLS Star en 2014 avec Rudy Garcia, voilà, Non c'est plus, pas. non plus. Mais oui, non, c'est dans les têtes des gens, mais c'était la folie. C'était, comme tu dis, c'est la Ligue des Champions, quoi. Oui, bah écoute, déjà, bah, tu as vu cette année, le stade était toujours plein. Incroyable. On avait vraiment envie d'y aller, on avait vraiment envie d'être à côté de cette équipe. Et je pense que quand même à partir du 4 mai, quand il y a eu l'annonce de Mourinho, je pense que l'AS Roma il a fait un grand travail pour regrouper finalement tous les supporters. Parce que jusqu'avant, avec Fonseca, etc., on était encore de supporters l'AS Roma, mais on discutait l'entraîneur, on discutait le joueur, on discutait le système de jeu, on discutait… Il y avait des sujets sur lesquels on discutait, que là, on est tous d'accord. Il y a Mourinho, il y a Abraham, il y a Pellegrini, il y a cette équipe. Tout le monde est bien. Et en plus, on a le meilleur entraîneur du monde qui est là pour nous. Et donc, finalement, les Friedkin, ils ont trouvé le système pour vraiment regrouper les supporters. Les supporters, ils ont Ils ont bien baissé les répondu tarifs avec… aussi, hein. Ça a permis également de. Oui, bah, ils ont fait une stratégie de marketing impressionnante parce que ils ont donné vraiment la possibilité à tout le monde d'aller au stade. Et en plus, bah, tu vois, même les supporters, ils sont partis à Bodo plutôt qu'à Tirana. Ils recherchaient des tickets même pour de matchs à l'étranger. Et nos supporters, ils n'ont jamais abandonné cette équipe. Donc, c'est normal un petit peu que… À partir du moment qu'il y a une manifestation qui a été gagnée et donc une Conference League, même si tout le monde discute la valeur de cette compétition, pour nous, c'était important quand même remettre un point sur lequel dire voilà, on repart, c'est notre point de départ pour repartir, pour redevenir encore une équipe capable de rejoindre les premières quatre places du championnat et pouvoir penser un jour de pouvoir Bien sûr. accéder à la Champions League, Bien sûr. rejoindre des. La partie finale un petit peu de cette compétition. Est-ce que quand Mourinho il signe à la Roma, tu te dis, de toute façon, même si ça avait été un autre, priorité c'est la quatrième place. C'est la Ligue des Champions. Et est-ce que toi aussi, au final, pendant tout le long de la saison, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Ah. Tu m'entends? Ah, il y a eu un problème de son, je crois. Ah, voilà, c'est bon, je t'entends mieux. Il y a eu un petit problème de. D'accord. Est-ce que toi Le son. aussi, tu as eu tout au long de la saison, en fait, finalement, un changement, parce que la priorité, c'est la quatrième place, ou enfin, la Ligue des Champions. Et en fait, l'envie, le désir, c'est un petit peu inversé. Du coup, bon, ben, tu te dis, la quatrième place, ça va être un peu compliqué de l'avoir, mais je focus Conference League, quoi. Focus, même si au début c'était Alors. focus, mais pour moi c'est un peu le ressentiment que j'ai eu. J'avais envie de la jouer au maximum cette compétition, et plus le temps passait, plus on s'éloignait de cette quatrième place, et plus la Conference League était pour nous. Et c'est vraiment, est-ce que toi aussi tu as eu ce genre de sentiment? Alors, je pense qu'au bout de moment, il y a eu un choix. Mourinho l'a pas caché au bout de moment que même s'il y avait un match de championnat qu'il fallait jouer au maximum avec les meilleurs joueurs, c'est Mourinho qui a dit c'est normal quand même que cette équipe pense quand même à la Conference League, pense de à Leicester plutôt que Vitesse plutôt que les autres équipes parce qu'ils voyaient effectivement qu'il y avait cette possibilité de pouvoir arriver vraiment jusqu'à la fin de la compétition. À différence de ce que tu as dit, je pense que l'AS Roma il est parti vraiment pour améliorer ce qu'il avait fait l'année passée. L'objectif, oui, c'était la quatrième place, mais c'était quand même de pouvoir améliorer. Il y avait pas un vrai objectif au niveau de championnat, parce que je pense que il y avait déjà au départ Milan, Inter, Juventus, peut-être même l'Atalanta qui était bien meilleur que nous. En plus Naples. Donc on avait vraiment un championnat dans lequel
probablement on n'avait pas les moyens pour arriver au moins à la quatrième place. Après la fin de la saison, je peux te dire que personnellement, la Roma aurait pu arriver au moins à la quatrième place parce que Il y a eu le un effet championnat de était. match, oui. Parce que le championnat a personnellement été très moyen. Je ne pense pas, à part Inter et un peu Naples, parce qu'ils avaient des bonnes équipes, tout le reste me semble de niveau discret, je dirais. Milan, ils ont trouvé certainement un très bon gardien, un attaquant exceptionnel comme Leao, qui a décidé pas mal de matchs. Ils sont pas au même niveau de l'Inter, qu'il avait vraiment une équipe complète du gardien à l'attaquant plutôt que Naples. En plus, la Juventus, il a vécu probablement la saison la plus difficile de l'histoire des dernières 20 ans. Donc, la Roma pouvait avoir effectivement la possibilité d'accéder à cette quatrième place. On ne l'a pas eu. Il y a eu pas mal de discussions, même sur des décisions qui ne sont pas liées à l'AS Roma, à l'équipe, mais à quelqu'un qui a pris des décisions pendant les matchs. Il y a eu pas mal de discussions sur ce sujet-là. Je laisse de côté. Je dis que, quand même, cette année, on a bien amélioré notre position depuis l'année passée. On est arrivé à gagner la Conference League. Donc, on repartira. La prochaine saison à partir d'ici. Donc, de dire, voilà, c'est le bon moment pour arriver dans les quatre premières places, arriver jusqu'au bout de l'Europe League, parce que tu sais bien, Mourinho, il aime bien quand même les compétitions Les tournois comme ça, bien sûr, d'Europe. voilà, des tournois comme ça. Et donc, je pense que dans la deuxième année, on va essayer quand même de rentrer en Champions League. En plus, que Mourinho, il a dit, hein, il a Bien sûr. 3 ans. Trois ans de projet. La troisième année devrait être l'année dans laquelle on pense un petit peu plus haut, mais ça devrait être cette année la possibilité d'arriver en Champions League. Donc la troisième année, ça serait le Scudetto. On ne dit pas, comme tu sais, Faut pas. à Roma, on ne dit pas. On le laisse, on le fait penser, on le fait bien penser, Voilà, mais on ne mais dit on ne pas. le dit pas. Alors, il y a Dario qui dit les dernières équipes qui étaient qualifiées dans les demi-finales étaient plus élevées que celles de l'Europa League. Ça, c'est vrai. Il y avait une plus belle finale que l'Europa League, quand même. Hein. Et puis, même s'il y avait eu l'OM aussi, c'était un beau carré à chaque fois. Oui, non, non, effectivement. Très relevé. Tout le monde disait effectivement que, comme je disais avant, la Conference League, c'est une compétition de très bas niveau. Mais en fait, en considérant ce qui s'est passé en Europa League, je pense vraiment que le Feyenoord, bon, Roma Feyenoord, c'était une bonne finale je dirais, d'Europa League plutôt que de Conference League. Oui. Alors, question, cher Ernesto, de Dario qui nous demande, est-ce que tu es pour ou contre le retour de la formation à 4-2-3-1 de Mourinho? Défense à 4. Alors, quand il y a eu le changement, Antonio Conte, Massimiliano Allegri à la Juventus, je me suis dit, lui, certainement, Allegri va revenir sur la défense à 4 parce que c'est sa façon de penser le foot, etc. Et après, un mois, 2 mois à peu près, il est revenu sur la défense à 3. C'est bien combien il a gagné. Il est arrivé à la 2 fois à la finale de Champions League, etc. Je me dis que Mourinho, comme Allegri, comme la plupart des entraîneurs qui sont en Italie, s'adaptent bien aux joueurs qu'ils ont à disposition. Donc, ce n'est pas une question de revenir à 4 plutôt que jouer à 3. Mais plutôt, c'est le système de jeu qui intéresse à Mourinho. Dans ma tête, je me suis dit que probablement l'année prochaine, Mourinho devra jouer avec Spinazzola et Zaleski ensemble, Ah qu'il y bon? aura vraiment, oui, qu'il y aura un défenseur qui va prendre la place de Karsdorp, qui jouera un petit peu plus derrière. Et je pense que ça pourrait être effectivement une solution de jouer derrière 4. Sauf que on voit bien que Smalling, il joue bien quand il est au milieu, Eh oui. il joue bien quand il est à côté de Mancini, bien évidemment.
que quand même Ibanez, même il se fait des bêtises importantes, quand même c'est quand même quelqu'un qui a de la vitesse, quelqu'un qui s'est bien concentré sur le match, il est Il fait super. de belles choses. Donc, je pense que il n'y a pas une question entre 4 ou 3, il y aura une question comment ça se passera le mercato déjà. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, on a perdu Mkhitaryan. On pensait, bon, la Roma pensait vraiment que le joueur serait resté à Rome. Ça, c'est ce qui s'est, qu'est-ce qui arrive de Rome. Et donc, on a dû penser de reprendre notre joueur. On a pris Matic. C'est pas le même joueur de Mkhitaryan. Et donc, ça dépendra effectivement qui arrivera au milieu de terrain, comme milieu de terrain. Et là, ça sert à Mourinho après de prendre la décision sur quel type de schéma mettre en place. Très bien, ouais, alors voilà, Dario disait ça. Je dis ça parce que c'est la compo de base de Mourinho et par rapport au Mercato, on va repasser à 3 devant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il te posait la question. Mais oui, en effet, faut aussi s'adapter. Donc en fonction des joueurs, ben ouais, il verra Mourinho, passe à 3, à 4, il verra. En tout cas, moi, là pour l'instant, ce système à 3 derrière me convient parfaitement. J'aime beaucoup. Donc il faudra bien évidemment voir. Il y avait Lolo qui a aussi posé une question. Alors ça, c'était hors Conference League. Je voulais savoir comment il juge la saison. Ah bon, bon. Donc comment juges-tu la saison de la Roma en Serie A? Est-ce que tu t'attendais, s'attendait-il à être dans les quatre premiers à l'arrivée de Mourinho Investissement? Ben voilà, ben ça, ah ben voilà, ben c'est un peu la question du coup que je t'ai posée. Donc ben, un bilan sur cette Roma en Serie A, Ernesto. Il y a du positif, mais il y a aussi beaucoup de regrets, notamment cette erreur professionnelle, hein, contre la Juve. C'est pas possible de prendre autant de buts comme ça en 20 minutes, c'est pas possible. Alors, moi, je considère quand même positive la saison parce qu'on a amélioré ce qu'on a fait l'année passée. Et ça, c'était l'objectif quand même de Mourinho. Il faut comprendre qu'il y a eu un moment dans lequel il y avait la compétition de la Conference League à côté. Donc, Mourinho, il joue avec 12, 13, voire 14 joueurs. Donc, il changeait presque jamais ses joueurs. Abraham, il a joué presque tous les matchs. Et donc, on est arrivé vraiment à deux matchs dans lesquels l'AS Roma, il y avait 30%, 40% d'énergie. Il n'avait pas effectivement la capacité quand même de pouvoir dominer les adversaires. Oui. Je juge positivement, mais je suis totalement d'accord avec toi. On a perdu probablement une occasion parce que l'Atalanta, il a vraiment baissé son niveau. Il est arrivé hors de l'Europe cette année. La Juventus, c'était pas la même Juventus qu'on a joué il y a quelques saisons. Bah, tout le reste, oui, c'était probablement plus haut niveau que la Roma, mais je pense que la Roma avait le moyen pour jouer sur la quatrième place contre la Juventus. Mais en général, je me dis, vu que quand même, il n'y a pas eu que la saison, il n'y a pas eu que la saison de Serie A, donc il n'y a pas eu que le championnat, et que certainement la Conference League, il a pris pas mal d'énergie, je me dis quand même que le placement de l'AS Roma est bien, mais comme justement a dit Mourinho, là c'est le moment, avec le mercato, de construire effectivement une équipe capable de jouer deux compétitions, et donc de dire, voilà, on arrive jusqu'au bout de l'Europa League, mais en championnat, on est bien dans les quatre premières équipes. Alors là, tu viens de dire un mot reconstruction. On parle aussi de cette époque, enfin, de cette époque, c'était en 2018, après la demi-finale de Ligue des Champions. On a cassé l'ossature de la Roma. On avait perdu nos Dengolan, on avait perdu Alisson, Strootman. Voilà, ce sont des pertes très importantes. Là, à la vue des rumeurs, le milieu, là, il a l'air totalement d'exploser. Il resterait que Cristante et Pellegrini. Zaniolo, ça fait peur, les rumeurs. Il est sur le départ, il va rester. Est-ce que toi, t'as pas peur de se dire, mince, finalement, cette saison, on est allé jusqu'en Conference League, on est allé au bout. Les rumeurs, ça reste des rumeurs, hein, mais le milieu, il va exploser. On va perdre notre pépite, Zaniolo. Est-ce que t'as pas peur de dire, bon, ben, en fait, ça va être cette saison encore une reconstruction, quoi? Alors, j'ai pas peur parce que
Je pense qu'il y a deux joueurs fondamentaux dans l'esprit de Mourinho, et c'est exactement Cristante et Pellegrini. Déjà l'année passée, Mourinho, dans mon point de vue, voulait révolutionner un petit peu l'équipe. Il s'est retrouvé avec Veretout, qu'il a bien joué le 2, 3, 4 premiers matchs, et après il Oui, s'est perdu oui. probablement dans une position qui n'était pas sa Trop position. Et défensive, donc, oui. voilà, exactement. Donc, il est un joueur qui aime bien attaquer. Donc, c'est la partie défense, c'est la partie… Il a joué un petit peu… Il voulait, Mourinho, que Veretout soit un joueur qui joue un petit peu à la Gattuso. Voilà, un joueur vraiment au milieu qui soit capable quand même de défendre, de se battre contre les attaquants, quand même le joueur de l'équipe. Donc, il a perdu un petit peu toute la partie de son esprit, capacité quand même de marquer même des buts. Et là, on C'est a vrai. trouvé cette solution, Elivera, qui était quand même bien. Bah, ce n'est pas un joueur qui te permet de monter de niveau, mais c'est un joueur correct, un joueur qui quand même il a de l'expérience, il est bien quand même, il a vraiment des bonnes choses à montrer, mais ce n'est pas effectivement un joueur avec lequel tu peux penser de pouvoir arriver à la quatrième place. Donc, Mais d'ailleurs, on ne sait pas je s'il suis… va rester. Hein. Enfin, s'ils vont le renouveler, Oliveira, voilà. Je veux dire, on ne sait pas. Alors, Compliqué. de ce que je sais, il n'y a pas l'intérêt en plus de payer 13 millions d'euros. C'est une chiffre énorme pour un joueur de ce type de niveau. Effectivement, c'est un joueur qui peut être intéressant aux banques juste pour rentrer dans le match, pour donner un petit peu quelque chose en plus pendant le match. Bah, ce n'est pas un titulaire de cette équipe. Il faut penser qu'actuellement, à part Rui Patricio, la défense, les trois défenseurs, plus Zales, qui Pellegrini, Cristante et Abraham, Carzor? je dis Karsdorp, je mets un petit peu en discussion Ah. actuellement. Ce n'est pas mon point de vue. Hein. En général, peut-être Ah. qu'ils vont sur la recherche dans joueurs différents. Et après, je laisse un point d'interrogation justement sur Zaniolo. Tout le reste, c'est à reconstruire. Je pense que Mourinho fera exactement ce qu'il a fait l'année passée. C'est-à-dire, il y a une partie de joueurs qui ne m'intéressent pas. Santon, Fazio, Diawara, etc., qui reste. Villa, sûr. Villa, etc., Mayoral, etc. Et il y a une équipe qui m'intéresse. Et il préfère appeler plutôt de jeunes de la Roma Primavera plutôt que qu'avoir avec lui de joueurs qu'il n'a pas l'intérêt de faire jouer. Donc je pense que c'est ça l'esprit qu'il veut mettre en place Mourinho. Mais il faudra voir effectivement qu'est-ce que ça donnera le mercato. Et quand tu as dit Zaniolo, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Voilà. Les amis, donc oui, parce que là, ça, dans le chat, c'est dit, franchement, les amis, est-ce que Zaniolo est réellement intouchable? Il a marqué 2 buts en championnat. Pellegrini, Spina, Cristante et Abraham sont indispensables, mais pas Zaniolo. 60 millions, faut le vendre et basta. Voilà, ça, c'est un commentaire de Elias. Il y a donc Amio qui lui répond, mais personne ne mettra jamais 60 millions sur Zaniolo. Alors peut-être Newcastle, un club anglais. Mais voilà, pour Elias, lui, il faudrait en profiter pour vendre Zaniolo. Yann qui rétorque que Zaniolo n'est pas intouchable. S'il y a une bonne offre, il faut le vendre. Alors concrètement, pour toi, Ernesto, on va pas faire un live dessus. C'est parce que c'est. Mais Zaniolo, on le vend ou on le vend pas? Voilà. Question simple, rapide, efficace. Alors, Zaniolo arrive de 2 ans d'une grosse blessure au genou, donc c'est un joueur qui a encore à reconstruire. Donc c'est un joueur qui, dans ma tête, il a donné actuellement, même cette année, les 70% de son potentiel. C'est un joueur qui a vraiment du talent. C'est un des joueurs qui a, dans mon point de vue, il a plus de talent dans la AS Roma. Donc, il a besoin encore du temps à passer avec Mourinho pour se convaincre de son potentiel et pouvoir retrouver finalement une condition physique en 100% Oui. pour pouvoir vraiment arriver au même niveau qu'il avait avant. Il y a une question, effectivement, comme on l'a eu avec Strootman, qu'il a eu au Florence, donc des joueurs qui rentrent d'une blessure importante au genou.
qui est tout le monde. Il y a cette partie qui dit, bah, quand même, on ne sait pas si après, effectivement, il arrivera au niveau qu'on pense. Donc, il faut quand même y réfléchir devant une offre importante. Actuellement, il n'y a pas des offres. Hein, parce que tout le monde parle de Du Juventus, parle Milan. de Milan, etc. etc. Mais il n'y a pas effectivement la possibilité de prendre un joueur à 70, 50, 70 millions d'euros. C'est une chiffre que actuellement personne en Italie peut se permettre pour un joueur. Donc l'a fait la Juventus avec Vlahovic. C'est un investissement très important. Je pense pas qu'ils sont capables de faire un autre type d'investissement dans ce sens-là. Potentiellement, c'est à l'étranger, surtout en première ligue, que c'est possible. Je lis quelque part qu'il y a même un intérêt du Manchester United pour ce type de joueur. Mais je suis convaincu que Zaniolo restera à l'AS Roma l'année prochaine. D'accord. Et question rapide, mais ça c'est un débat qu'on a eu régulièrement, nous les Français. Est-ce que Zaniolo, tu le préfères sur le côté? Est-ce que tu le préfères au milieu? Est-ce que tu le préfères en second attaquant? C'est quoi ton poste vraiment pour Zaniolo? Essaye À de côté, m'y bah, à côté. départager un peu là, parce qu'à chaque fois, le débat de savoir où on met Zaniolo. Alors, toi, tu le mettrais où? Vraiment son. Bah, Zaniolo, je le mets à côté d'Abraham, comme il a joué contre l'Atalanta, comme il a joué. C'est son poste, parce que quand même, il a au niveau physique le potentiel pour se battre le dernier 30-40 mètres Ouais. contre les adversaires. En plus, il a vraiment physiquement, il a développé. Ah ouais, là, ah ouais, bah oui. Donc, il est capable quand même de jouer bien, de bien jouer, de bien se battre contre les autres défenseurs. Et, sauf que si, j'aimerais bien quand même qu'il arrive à jouer un petit peu plus avec l'équipe. Parce qu'il y Ouais. a quelque part, je vois qu'il a envie quand même de montrer qu'il est revenu, qu'il est là pour montrer que ses problèmes au genou sont bien passés, donc il est à 100%. Et les défenseurs, même les autres joueurs, ils ont bien compris, compris ça. Et donc, c'est facile pour eux l'arrêter au bout d'un moment. Donc, s'il s'appuie quelques fois en plus sur ses copains, je suis sûr Évolution il pourra marquer, voilà, il pourra évolution marquer mentale dans son jeu de collectif. au niveau exactement de mentalité. Alors Thomas Prévost et Elias, Ernesto, penses-tu que la Roma peut gagner l'année prochaine l'Europa League ou les deux ou la Coppa Italia ou les deux, hein? Je pense que la Coppa Italia c'est quand même un objectif, hein, cette 10e Coppa Italia ça serait bien. Et est-ce que cette finale de C4 remportée n'est pas juste dans la continuité de la saison passée, ben, où on a perdu malheureusement cette demi-finale de Europa League contre Manchester? Alors, y a je pense que on pourra répondre à cette question à la fin de ce mercato, parce que c'est Mourinho qui a répondu. Mourinho, il a dit, on est arrivé jusqu'à la fin, donc on est arrivé à gagner la Conference League. Là, pour jouer l'Europa League, pour arriver dans les quatre premières places, il faut quand même monter de niveau. Si les propriétaires, donc si les Friedkin sont capables de mettre sur la table et dans l'équipe les joueurs qui demandent Mourinho, là on sera bien capable de se battre pour l'Europa League. Parce que l'Europa League, oui, cette année, on a vu un petit peu le niveau même de la finale comme on l'a dit avant. Mais il y a quand même des équipes qui descendent de la Champions League. Oui, c'est le C'est Barça, totalement oui, le... c'est. C'est un autre niveau. Et donc, il faut voir justement pour l'objectif de les premières quatre places de championnat, il faut avoir vraiment deux équipes. Il faut avoir 18, 17, 18 joueurs capables quand même de jouer. Et il faut avoir, par exemple, l'attaquant qui soit capable quand même de mettre à repos quelquefois Abraham, parce que c'est pas Bien sûr. possible qu'il joue 55, Trois, il 55 faut. matchs. À la Roma, il faut trois attaquants. Trois, il en faut trois, c'est Ouais. sûr. Bon, Et il a. c'est pas Félix Aféna ou Chomourov qui peuvent remplacer facilement Abraham. Désolé, hein. Je trouve que Chomourov, Lourde. c'est une bonne joueur. Peut-être que cette année, il a un petit peu souffert le fait qu'il a changé de rôle. Il n'était plus au centre du jeu comme il était à Genoa. Donc,
Je pense qu'il a même il a souffert un petit peu le changement de niveau. Mais je pense qu'il est quand même un très bon joueur. Il a des qualités très intéressantes. Et dans des matchs contre Salernitana, contre Venezia, etc., c'est bien un joueur Plutôt rejoué. qui peut Plutôt prendre, rejoué. voilà, qui pourrait bien prendre la Plutôt place rejoué. Plutôt de Tammy entièrement. Abraham. Pour moi, cette saison, il faut trois attaquants. Abraham et un second, vraiment un attaquant avec beaucoup d'expérience, qui, voilà, qui peuvent se partager l'Europa League et la Serie A, mais des très gros matchs de Serie A. Et Shomurodov qui fera le taf sur les petites rencontres, voilà, la Spezia, Salernitana, ou alors les petits matchs européens, si on tombe vraiment contre une équipe qui a une portée plus facile, même si tous les matchs sont compliqués, hein, nous le savons tous, hein, faut respecter tout le monde. Mais voilà, mais je suis d'accord sur ça. Je suis d'accord Non, avec non, toi. mais en plus que, tu vois, par exemple, une équipe que je trouve dans ce type d'esprit, c'est l'Inter. Parce qu'ils sont capables de jouer avec Dzeko et Lautaro Martinez, mais derrière, ils ont Sanchez et Correa. Bon, Correa, ils l'ont récupéré à Ouais, la ils ont fin beaucoup de la saison. d'attaquants. Mais quand même, ils ont vraiment des remplaçants qui sont quand même capables de jouer un match, quand même d'être compétitifs, etc. Donc c'est ça vraiment qui a besoin de Mourinho. Il a besoin vraiment de joueurs qui sont du bon niveau. Et je pense que, par exemple, il y a les titulaires cette année. Par exemple, bon, avec, je dirais Veretout, je dirais Shomurodov, etc. Peuvent être vraiment les remplaçants des titulaires de l'année prochaine. Je ne peux pas penser actuellement à Veretout comme le titulaire, par exemple, à l'AS Roma, mais un bon remplaçant pendant la saison. C'est vrai que Veretout, je pense que dans sa tête, ça tente quand même de jouer titulaire dans une bonne équipe. En plus, il est recherché déjà par plusieurs équipes. Il a joué pour l'équipe de France. Donc, dans son esprit, je pense qu'il acceptera pas quand même de vivre une saison à côté de Mourinho plutôt que sur le terrain de jeu. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as été un peu déçu des critiques envers Jordan Veretout. Alors nous, il est français, donc forcément, c'est notre petit chouchou, hein. Mais oui, c'est vrai qu'il a essuyé beaucoup de critiques de par son jeu, tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu Mourinho qui l'a mis dans cette situation-là, en lui faisant jouer un autre style de jeu, en le mettant sur le banc. Là, si réellement il doit faire ses valises, c'est 20 millions pour toi, Jordan? Moi, j'aimerais le garder, hein, personnellement, j'aimerais le garder. Mais bon. Il y a deux points de vue. Il y a un côté, effectivement, de Mourinho qui a changé son rôle, son style de jeu. Tu l'as vu l'année passée, qu'est-ce qu'il était capable de faire avec Fonseca. Donc, on connaît effectivement le potentiel de Veretout. Sauf que moi, je dis une autre chose, c'est que Zaleski, c'est un joueur qui, dans la Primavera, il jouait presque comme attaquant. Et là, il est devenu quand même un très bon joueur à la place de Spinazzola. Donc, À la place de tu vois, Vigna. dans ce jeu de. Il a mis Vigna sur À le la banc. place, Hein. oui, il a mis Vigna Ah oui, au complètement. Il l'a banc. mis à la rue. Donc, je me dis, s'il y a un joueur de 20 ans, quand même, qui est capable quand même de s'adapter aux exigences de la société et aux exigences de Mourinho, et donc il est bien disponible à jouer dans une place différente. Qui souhaite, en plus que maintenant, il a été la convocation par son équipe nationale et joue même à la même place que joue à la AS Roma. Donc, c'est quand même pour lui très important, quand même, avoir vécu cette expérience pour son équipe nationale. Je me dis, est-ce que Veretout, il a fait vraiment l'effort pour dire, voilà, quand même, je suis là, je me bats pour jouer, pour montrer à Mourinho qu'il peut compter sur moi. J'ai l'impression que d'un côté Mourinho, au bout d'un moment, il a dit non, non, basta avec Veretout. Et lui, de l'autre côté, il a dit ah non, basta, j'en peux plus de jouer, c'est pas mon style de jeu, donc je ne vais pas jouer dans ce type de style qui me demande Mourinho. Ce sont des situations dans lesquelles il y a une fracture interne entre un entraîneur et un joueur.
Et la partie finale, normalement, c'est vraiment le départ du joueur ou le départ de l'entraîneur. Dans ces cas-là, c'est plus facile éventuellement pour Veretout, qui, je ne pense pas qu'il soit disponible, vu quand même l'arrivée de Matic, Cristante, Pellegrini, probablement l'arrivée de notre joueur au milieu. Je ne pense pas qu'il a l'intérêt quand même de rester les Romains pour se battre pour un maillot comme titulaire. C'est ça que ce que je pense. Donc, D'accord. je pense vraiment qu'il est sur le point de partir, de chercher une solution pour meilleure pour lui. Donc, Je comprends, hein, je comprends. si jamais la Roma doit le vendre, c'est pour toi, c'est pas en dessous de 20 millions ou alors 15 millions, parce que bon, c'est au final, au milieu, il n'y a que Jordan qui peut ramener un peu d'argent, donc faut pas le C'est brader, quoi. entre, je pense que c'est entre 10 et 15 millions d'euros. Ah, d'accord. Bon, je vise un peu beaucoup pour Jordan. Mais bon, tu le mérites, Jordan. Tu mérites de trouver, je te le souhaite, de trouver vraiment un club. Non, non, mais il mérite. C'est, voilà, pendant 2 ans, sous Fonseca, il avait les clés du jeu, il faisait des trucs merveilleux. Mourinho, il a bridé, donc il n'est pas devenu en un an pourri. Je veux dire, il sait jouer au foot, mais c'est dommage, voilà, c'est dommage cette relation-là. C'est un peu déçu, mais bon, en tout cas, bon, il repart avec un titre européen, c'est très très beau pour lui. Premier Français à avoir remporté un titre européen avec la Roma. Donc chapeau. Chapeau à Jordan. Oui, non. Non, mais en plus il a certainement la possibilité de rejoindre une très bonne équipe. Moi, j'ai lu par exemple l'Olympique de Le mec Marseille. qui vient à Donc Marseille, bien sûr. Oui. voilà, ce serait déjà vraiment une très très Ah bonne oui. destination au même niveau que l'AS Roma dans une championne de la Ligue 1 dans laquelle il y a que il y a le Paris Saint-Germain, il y a Lille, il y a la possibilité quand même de se battre pour le titre national. Et je pense, voilà, je suis convaincu quand même qu'il a le potentiel pour rejoindre encore l'équipe nationale. Il y a aucun discours, aucune discussion sur ce sujet. Eh bien, on te le souhaite, Jordan, que tu rejoignes l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Ouais, il y a Don Camillo qui dit ben, c'est surtout l'absence de Spinazzola qui a tiré aussi Veretout vers le bas. Voilà, on a vu que là, sur les 2-3 derniers matchs, quand il y a Spinazzola qui jouait avec Veretout, c'était exceptionnel. Oh là là, on a vu des miracles. Ben, il y a une connexion entre eux, mais dommage qu'on n'ait pas vu ça tout le long de la saison. Oui. 10 millions pour Veretout, je trouve ça peu malgré sa saison compliquée. S'il venait à partir, j'espère que ce sera au moins mi minimum 15 millions pour Lolo. Salut Kevin Rodriguez, salut à toi. La concurrence tire le groupe vers le haut, c'est connu. C'est simple, si on n'a pas une doublure, voire 3 joueurs par poste, ça va être dur de jouer sur tous les tableaux. Serie A, Europa League, je compte aussi la Copa Italia. Donc voilà. Alors, il y a une question. Elias, je pense que par rapport à la saison, que Karsdorp et que Mourinho ne le mettra pas Spina. Alors, petite question rapide. Spinazzola est droitier. Est-ce que Zaleski peut jouer à droite, à gauche? Enfin, est-ce que les deux peuvent jouer ensemble? Voilà, je me perds. Zaleski à gauche et Spina à droite. Mais moi, j'aime pas Non, trop non. Spina à droite. J'aime pas trop. Non, c'est exactement le contraire. Spinazzola à gauche et Zaleski à droite. Ça, c'est Ah! possible. Voilà. C'est Zaleski qui l'a déjà fait. Donc, quand Spinazzola est rentré, il a joué à droite. Donc c'est bien évidemment possible. Zaleski, c'est un joueur très bon. Et pour ce type de mentalité, le fait de dire je joue bien quand même, je fais mon max. À chaque poste où Mourinho décide de me placer, il a eu vraiment un très bon travail qui a fait Mourinho sur lui. Tu sais, au départ, il avait eu la discussion entre eux parce que Mourinho n'acceptait pas quand même, il n'aimait pas le style de vie quand même de Zaleski. Après, il a eu la mort de son père. Il y a eu quelques problèmes en plus pour une vidéo, je me rappelle, qui était sortie avec une amie en discothèque, etc. Donc, il y a pas mal de discussions. Là, il est rentré en silence parce qu'on n'attendait pas le fait que Zaleski aurait joué la partie finale comme titulaire à gauche de l'équipe. Il a bien travaillé, Mourinho, il a travaillé sur lui. Et certainement, c'est une découverte énorme. Moi, je ne croyais pas qu'il pouvait vraiment faire une saison de ce niveau. Et voilà, c'est ce que je m'attends des autres jeunes qui font partie de cette équipe. Je pense à Bob et je pense à Volpato.
Parce que si effectivement l'AS Roma retrouve un petit peu la possibilité de mettre dans l'équipe plusieurs jeunes, c'est bien pour le mercato aussi. Enfin, tu vois, par exemple, la Nationale qui a joué la semaine passée, il y avait Frattesi, Scamacca, Pellegrini. C'était tous des jeunes qui sont sortis de la primavera de l'AS Roma. Donc, ça veut dire que quand même le travail qu'ils font avec les jeunes, c'est super bon. Donc, il faut avoir un petit peu je dis, un petit peu le courage de le mettre sur le terrain. Mais même que les jeunes soient capables quand même au niveau d'esprit, de mentalité, de suivre ce que Mourinho lui demande. D'accord. Voilà, les amis. Elias, franchement, ce qui est impressionnant avec Zaleski, c'est pas tant ses qualités techniques, mais c'est surtout son envie, sa prise d'initiative. Faudrait pas que le retour de Spina, voilà, bloque Zaleski. Voilà, il faudra que Mourinho arrive à trouver un juste milieu pour retrouver Spinazzola, hein, pour qu'on puisse se servir de Spinazzola, qui est un très grand arrière gauche. Et puis ce Zaleski, voilà, qui est une pépite, hein, une trouvaille fantastique de Mourinho. Zaleski, quand on le voit jouer ses matchs, il a une maturité bluffante. Il panique très peu malgré son jeune âge. Il montre l'exemple, voilà, il nous dit Lolo Romaniste. Zaleski est monstrueux pour son âge. Quelle maturité. Voilà pour Kevin Rodriguez. Ah oui, Dario qui posait cette question. Merci Dario parce que je l'avais complètement oublié. Trouves-tu que le niveau de l'arbitrage a vachement baissé à cause des nombreuses suspensions qu'on a reçues, voilà des problèmes d'arbitrage? Est-ce que c'est un problème de baisse de niveau, ou alors c'est que vraiment il y avait un coup il faut se faire l'aroma, quoi. Ah, c'est une bonne question. Moi, je ne vais Dans une pas question. rentrer dans la question des arbitres parce que c'est toujours une question très Ah, compliquée pas que pour l'aroma, à il discuter. parle vraiment en général. Non, je parle en général du fait que bah, tu sais, ce qu'ils disent en Italie, c'est qu'à partir du moment qu'il y a eu l'introduction de la technologie, les arbitres ils n'ont pas aimé. Donc, déjà du départ. Donc, le fait qu'il y a une technologie qui permet effectivement d'améliorer un petit peu, de suivre un petit peu les actions et donc aider effectivement l'arbitre, c'était une bonne solution. Mais à côté, il y a les arbitres qui ne sont pas acceptés ce type de technologie et donc qui décident tout seuls. En plus que moi, je pense que vraiment le niveau global des arbitres s'est vraiment baissé depuis quelques ans. On avait vraiment un groupe reconnu au niveau international comme le meilleur au monde, que là, je ne pense pas qu'il y a ce type de niveau. Et il faut avoir vraiment alors, je ne sais pas quel type de politique peuvent mettre en place, mais Ouais. c'est vrai que vraiment qu'ils ont pris vraiment cette année des décisions vraiment incroyables. Les sorties, le match entre Lazio et Spezia, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Et on l'a vu même avec les matchs contre l'AS Roma. Il y a des décisions qu'on a discutées souvent entre nous en disant bah, c'est le même ce qui s'est passé dans notre match. Dans notre match, c'était carton rouge, là c'était même pas carton jaune. Donc il y a des décisions effectivement qui m'ont surpris. Mais voilà, j'espère que comme l'AS Roma va monter de niveau, même les arbitres vont vraiment monter leur niveau parce que on ne peut pas penser que laisser penser les supporters anglais et en général de l'italien que le Scudetto soit décidé par des arbitres. D'accord. Ouais, je te rejoins entièrement. Il va falloir que rehausser le niveau de l'arbitrage, hein, messieurs. Mais de toute façon, on le voit bien qu'en Europe, c'est un peu autre chose, hein, l'arbitrage. Il n'y a pas tant de polémiques, tout ça. Et c'est un peu ce que dit un ami à nous, Lucas, qui est italien aussi, voilà, qui est régulièrement avec nous sur les lives. Pour lui, en fait. Lui, ce qui lui plaît, c'est de voir les matchs européens, quoi. Il limite la Serie A, il en a marre, que ce soit au niveau de l'arbitrage, au niveau de certaines équipes, qui mettent le bus. Bon, après, mettre le bus derrière, c'est un style de jeu, hein. Faut... Oui, bien C'est sûr. ça, c'est du foot, c'est comme ça se respecte. Mais voilà, l'Europe, il y a plus d'engouement avec l'Europe, plus de jeux, plus d'ouverture dans les matchs, et un arbitrage moins, ouais, voilà, moins compliqué, quoi.
Non, mais en plus que bah, on a discuté souvent du match entre Manchester City et Real Madrid. Ouais. Déjà, un arbitre, c'est quelqu'un quand même qui suit le match, mais il y a jamais, même il y a quand il y a des fautes impressionnantes, il a fait continuer quand même le match. Ils arrêtent jamais tout le temps le match comme ça arrive en Italie. Il suffit qu'un joueur il est par terre, il perd 3 minutes, 5 minutes, et après il dit voilà, je récupère à la fin. Et tu vois, après, à la fin du match, ils ont joué effectivement 40 minutes. Ils ont joué 48 minutes. C'est même pas deux tiers du match, qui en Europe, c'est vraiment totalement une autre chose. Pourquoi? Parce que les arbitres, effectivement, laissent jouer. Les joueurs, comme les équipes, s'adaptent. Donc, dès qu'il y a un contact, ils ne sont pas par terre tout le temps, 10 minutes en attendant que l'arbitre arrive. Ils remontent tout de suite et courent derrière les ballons, donc, ou les adversaires. Donc, c'est vraiment une autre style, une autre typologie d'arbitrage. D'accord. Bon alors, je m'y attendais un peu. Chez Ernesto, il y a beaucoup de questions concernant le mercato et quel joueur tu aimerais avoir. Et ça parle de Isco, ça parle de Fratesi, ça parle de... Bon, Matic, bon, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui normalement est fondée. Hein, ça, il devrait signer Matic, hein, à moins de problèmes de dernière minute. Toi, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu as des souhaits niveau mercato? Est-ce que tu as des noms qui te plairaient? Alors, moi personnellement, je suis un petit peu pour les joueurs qui ont grandi et qui ont né un petit peu à Rome. Donc, je suis pour la rentrée des Fratesi à la Roma. T'es dit, les amis, 40 millions, ça sous l'eau. Non, bah, beaucoup moins de 40 millions d'euros. Parce que la Roma, il a quand même les Ouais, 30% les 30 pour... Oui, de. voilà. Oui. Donc, on arrive à moi, dans mon point de vue, à si effectivement il y a la possibilité de le prendre. Juste moins que 20 millions d'euros, donc je dirais entre 16 et 18 millions d'euros, pas plus que pour un joueur comme ça. En plus, que on l'a vendu en joueur l'année passée, c'était Ciervo, c'est un jeune de l'AS Roma. Donc, on devait avoir un petit peu une route préférentielle pour reprendre les joueurs. En plus, que Fratesi, il a perdu l'occasion d'aller à l'Inter, Milan n'est pas intéressé, n'aime pas la Juventus. Donc, si c'est un joueur qui effectivement veut grandir et veut quand même pouvoir penser d'aller jouer en Europe pour la Champions League, c'est les dernières équipes disponibles à prendre Fratesi, c'est l'AS Roma. Donc il n'y Roma. a pas de discussion à ce sujet. Je n'ai pas un joueur qui Maxime j'aimerais Lopez, bien quand même. pour rester dans ça sous l'eau, là, Non. Maxime Lopez. Toi, tu veux pas de Maxime Non, Lopez. non. Non, non. J'ai vu que les joueurs que Mourinho souhaite avoir à la AS Roma sont des joueurs des très hautes, donc des joueurs qui sont à partir de 1,86 à T'es vieux, 1,94 m. Voilà. Et bah, Matic, c'est l'exemple. ouais, Matic. Cristante à côté, même Pellegrini, il fait 1,86 m. Mancini aussi, il est grand, Donc Mancini, ouais. Mancini, Abraham, Smalling, ben, voilà. exactement. Donc je pense que c'est ils aiment bien ce type de joueurs. Moi, en rêve, c'est De Jong du Barcelone. Moi, c'est un joueur que j'aime bien pour son style de jeu, ou quand même Gavi, comme du joueur de très jeune du Barça. Il y a pas mal de monde qui parle de Guedes de Valencia. Ça sera un joueur éventuellement à prendre si Zaniolo décide de partir, donc rejoindre notre équipe. Pour le reste, il y a, à mon avis, c'est quand même en général déjà une très bonne équipe. Dommage que probablement l'année prochaine, on devra abandonner Tammy Abraham, donc il faudra chercher notre attaquant. Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment l'attaquant du futur, hein, Tabia. Bon, il y a aucune discussion. Samuel Ricci du Torino. Ah, Hein? il y a Samuel Ricci du Torino. Ricci. Tu connais Ricci du Torino? Samuel? Non.
Ah, voilà. Alors, Elias, on ne connaît pas. Moi non plus, je ne connais pas. En plus, avec mon Non, mais italien, c'est. Samuel Eric, c'est un bon joueur, Ricky, voilà. mais Samuel. c'est un joueur qu'il fasse un petit peu d'expérience dans des bonnes équipes, de la partie moyenne, je dis, du classement, mais ce n'est pas déjà au niveau de pour l'AS Roma, dans mon point de vue. Isco, ça parle d'Isco, ça rêve de Isco. Isco. Zéro pour moi. Ah, tu. Pour moi, c'est zéro. Et j'espère que la Roma n'a aucun intérêt pour le joueur. Ah bon, bon, les amis, il veut pas d'Isco. Il veut pas d'Isco. Si je te dis, alors ça c'est un peu un rêve personnel, mais Cavani. Oh mon Dieu, il a quel âge maintenant? Il y a 40, 60 000 ans. Non, il a 35, 36, donc Cavani, un truc comme ça. Bah, tu vois, il y a eu une actualité qui parlait de Dries Mertens, non? Oui, 35 ans, si je me rappelle bien. j'en ai vu une, Dries Mertens. Ça revient, mais lui, c'est chaque année, lui. Cavani, c'est chaque année aussi, Cavani. Ouais. Cessons de. Bah, tu vois, Giroud, tu as vu Ibrahimovic, quand même, cessons de joueurs qui, dans des matchs très importants, sont là, ils sont capables quand même de marquer des buts très importants. Tu vois, Giroud, je pense qu'il a marqué 10 buts, Ah, pas Giroud. plus. Ah, Giroud. Mais Giroud, Si, Giroud. il a gagné tout seul le match contre Naples, il a gagné tout seul le match contre l'Inter. Donc tu te dis, il y a quand même des joueurs pour lesquels tu t'attends pas 30 buts à l'année, mais quand même ils font 10 buts, mais sont fondamentaux pour monter, pour prendre les 3 points. Donc tu te dis, Cavani. Avec une c'est un joueur qui, s'il a une bonne condition physique, pourquoi pas, bah, je dirais plutôt le troisième attaquant, hein. Je dirais l'attaquant tu mets un petit peu à la Tu fin pour veux Ouais, mais ok. je suis plutôt pour bon, moi je suis un petit peu plus pour les joueurs un peu plus jeunes, je suis sur le style Tammy Abraham, mais je comprends bien que dans une équipe. Tu vois, Matic, je suis content quand même qu'il soit là, parce que quand même, Cristante, il a un joueur, il peut quand même s'alterner avec lui. Donc ça, c'est super important quand même. Ils ont deux styles différents de jeu. Donc je suis très content qu'il soit arrivé à ce Roma. Je suis content quand même qu'il y a deux joueurs d'expérience, les Roma, qui puissent donner leur expérience pour faire monter le niveau, Rui Patricio, Smalling, etc. Et s'il y a des occasions comme ça avec... qui n'écoute pas trop cher, je dirais, entre guillemets, pour le propriétaire de l'AS Roma, pourquoi pas? C'est quand même un attaquant Cavani qui, au niveau physique, tu dirais, il ressemble à West, un joueur de Ah ouais. 25-28 ans encore. Donc, Donc. un petit oui pour Cavani de la part de Ernesto. Oui, il collerait bien l'identité de la Roma, le El Matador. Mon voisin m'a raconté que Ronaldo allait venir via la filière portugaise Pinto Mourinho. Est-ce que je dois le croire? Non, Cristiano Ronaldo, il faut oublier. Ernesto, Cristiano Ronaldo, va pas venir. Non mais alors je vous dis deux choses. Il y a une offre de l'AS Roma pour Dybala. Ah, Ça c'est le vrai. cas d'Ibala, tiens, voilà. Voilà. Il y a vraiment une offre de l'AS Roma pour Dybala. Tout le monde dit ah bah non mais c'est juste de rumeurs etc. Il y a vraiment, j'ai la confirmation qu'il y a une offre pour Dybala. Bien évidemment c'est pas la même offre que pourra avoir à l'Inter. Et probablement, il ira certainement à l'Inter pour jouer. Mais l'AS Roma lui a proposé vraiment de jouer 3 ans à l'AS Roma et être vraiment au centre du projet futur de l'AS Roma avec Mourinho. Donc, l'AS Roma, il a proposé à Dybala un contrat de 3 ans plus l'objectif de devenir le numéro 10. Voilà, l'AS Roma, donc sur lui, construire la Roma du futur. L'Inter, comme pour Mkhitaryan, quand même, c'est l'équipe qui promet déjà la Champions League. Donc, de jouer dans une équipe très intéressante, très importante, qui est capable quand même de se battre pour le Scudetto, déjà, et quand même qui joue en Champions League. Donc, c'est normal quand même qu'un joueur de 30 ans puisse avoir l'intérêt de jouer la Champions League plutôt que l'Europa League, de se battre pour la Le quatrième socle place européen, en Italie. bien sûr. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est concernant Ronaldo.
Effectivement, il y a tout le lien entre Mendes, il y a tout le lien entre Mendes, Pinto, Mourinho, le Mourinho, Portugal. Pink, Portugal, etc. Donc, redevenir central. J'ai lu quelque part quand même qu'il aurait rentré, qu'il s'est arrivé à Rome, il aurait repris le numéro 7 pour donner le numéro 10 à Pellegrini. C'est toute une histoire derrière Ronaldo et surtout c'est une histoire qui a été construite pour permettre effectivement à Mendes de montrer qu'effectivement il y a encore de l'intérêt derrière Ronaldo. Donc chercher quand même de convaincre Ouais, les autres d'accord. sociétés qu'il est encore en pleine forme, qu'il est quand même encore très compétitif. Oui, Mourinho est aussi un atout en plus pour l'attractivité de la Roma sur le marché. Sans lui, beaucoup de joueurs ne seraient pas venus, il nous dit donc Camillo. Tino Muki qui parle de Sasa Kalajic de Stuttgart en Allemagne. Fabio Polizzi qui nous dit, un journaliste italien a dit qu'il est sûr que la Roma prépare un énorme coup sur le mercato. Est-ce que tu as une idée sur un pseudo énorme coup? Par hasard. Non sur le joueur, mais certainement les frics qu'ils ont promis à Mourinho en joueur important. Une Un superstar. joueur qui. Alors, ils ont dit un joueur pour Fiumicino. C'est-à-dire, Fiumicino, c'est l'aéroport. Tu te rappelles quand Dzeko est arrivé à Rome. Donc, quand on parle de Fiumicino, on dit un joueur qui est capable quand même de faire regrouper des supporters, Ah ouais. milliers de supporters à Fiumicino. Donc, ils ont dit effectivement, il y a cette possibilité qu'il y a vraiment un joueur très important qui fait rêver le tifosi de la Rome et qui remplira Fiumicino le jour de son arrivée. J'ai la sensation, ça c'est quelque chose que tout le monde dit, non, tout le monde le dit, donc c'est tout le monde le croit Tout le monde le croit. que oui, mais Mais on ne tout le sait monde pas qui c'est. pense. Mais on ne sait pas qui Non, mais c'est pas ils ont ce que je sais, c'est que normalement ne devait pas être le joueur qui joue au milieu de terrain. Ah. C'est la seule chose que Quoi, c'est Sergio je suis Ramos? arrivé à Ça ramène Sergio Ramos? je sais pas, je sais pas du tout. Non, actuellement, il y a vraiment une. Tout est caché. C'est vraiment difficile déjà Ah pour les ça journalistes. c'est ça, ah oui, ça on l'a vu À entre différents. Palota et là Fredkin, c'est porte close là, c'est y a rien qui passe, c'est incroyable. Exactement. C'est une autre. Bah, tu vois, tout le monde, le jour avant, le 4 mai, pensait que l'entraîneur de l'AS Roma aurait été Sarri plutôt que Mourinho. Donc la Rome l'a annoncé au bout d'un moment. Et tout le monde s'est dit, ah ben c'est impossible, comment c'est possible? On était convaincus que l'entraîneur aurait été Sarri, mais c'était pas comme ça. Donc ils travaillent bien, ils arrivent quand même à bien cacher les choses. Mais tant Et mieux. tu vois, Mike. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, toi? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et tu vois, Matic, l'histoire de Matic est sortie le jour dans lequel des journalistes, ils ont mis son nom à côté de l'AS Roma. En fait, dès qu'il a annoncé son départ, tout le monde disait il va certainement rejoindre Mourinho. Mais au départ, la Roma a refusé l'engagement de Matic. D'accord. Dès qu'il y a eu cette situation avec Mkhitaryan, ils ont donné 24 heures aux joueurs pour dire oui ou non à l'AS Roma. Dès que Mkhitaryan a dit non, je vais à l'Inter. Ils ont proposé à Matic le même contrat Même contrat. de Mkhitaryan. Matic a dit tout de suite oui. Et donc, c'est pour ça que 24 heures après Mkhitaryan, Matic a accepté l'AS Roma. Ça, c'est l'histoire de l'engagement du joueur, de Nemanja. Bon, mais après, oui, voilà, Matic, lui, de base, il voulait venir, voilà, et la Roma, ça, il lui a accordé ça, et petit aparté sur Mkhitaryan, pour toi, ça te crève le cœur, ou merci pour le service rendu, maintenant tu t'en vas, t'as fait ton choix, ça, c'est... Merci. Tu as compris la... Merci Non, j'ai dit merci pour le. pour le service rendu.
Merci pour le service rendu. Ah, d'accord, voilà. Merci pour le service rendu. Ouais, mais je dis exactement comme toi. Merci pour le service rendu, Mictarian. Merci. Et bonne route, et maintenant, et voilà, je te souhaite. Ouais, non, bah j'espère La Roma reste, qu'il aura les le joueurs même partent. résultat de alors il y a certains types de joueurs, donc il y a Mkhitaryan, il y a Smalling, il y a Abraham qui probablement vont partir, ils resteront encore 2 ans, je sais pas combien, et après il y a certains autres, les autres types de joueurs. Il y a Pellegrini, il y a Zaleski qui sont nés à Rome, qui sont bien de supporter l'AS Roma. Alors là, si je pense à Pellegrini qui va partir, alors là, ça me fait mal au cœur. Ah non, Parce mais que oui. je pense à ces types de joueurs comme Totti, comme De Rossi, ce type de joueurs. C'est pour ça que je déteste Florenzi. Je ne vais pas le dire, mais je déteste Tu laisses énormément Florenzi. pour ça. Bon, ben Oui. oui, ben après Florenzi, oui, il a beaucoup de. Oui, c'est lui qui a décidé de partir. Hein. Bon, la Roma, il y a eu des conflits et il a décidé de partir. Et ouais, après. Rabal, Oui. dès que tu es à Rome, et tu sais bien que les supporters de l'AS Roma, ils ont contesté Totti, De Rossi, même dans le passé. Et donc, le rôle du capitaine, c'est celui de dire, je me bats avec ce maillot, point. Donc, je ne vais pas ailleurs. Donc, lui, à partir du moment qu'il a vu qu'effectivement, les supporters n'aimaient pas, Il il est a trop décidé tout de faible. suite de partir. Oui. Il est trop faible pour avoir ce type de rôle dans l'AS Roma. Donc c'est pour ça que je me dis, lui, tu vois, dès qu'il est parti à l'AS Roma, il est parti à Valence, après À au Paris Paris, Saint-Germain. à Et Milan maintenant, là, il il a est gagné à parti en Milan. Milan. Oui, il a gagné. Il a Mais là, gagné. on ne sait même pas s'il reste encore à Milan ou pas. Donc tu vois, c'est un joueur quand même bien. J'ai rien à dire sur son niveau, mais il est arrivé quand même à 30 ans. Il n'est pas arrivé à avoir un objectif dans lequel il dit, ah, dès que j'arrêterai de jouer, j'ai des supporters qui disent, ah voilà, j'ai vécu la période de Florenzi et j'ai bien aimé ce type de joueur. C'est vraiment un joueur qui ne restera pas dans l'histoire de la Roma, certainement. Bien dommage. C'est bien dommage, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup et bon ben ouais, il a fait un certain choix et c'est comme ça concernant Florenzi. Mais c'est bien dommage. Moi j'aurais bien aimé qu'il gagne la Roma. J'aurais bien aimé que ce soit lui. La passation de flambeau quand De Rossi est parti, il y avait cette passation. Il n'a pas su la prendre. Bon, ben, c'est comme ça. Les Fredkin. Allez, encore 5 petites minutes, les Oui. amis, pour notre ami Ernesto qui va nous quitter. Les Fredkin travaillent en silence sans promettre des choses toutes les semaines. On est déjà, et ils font du bon boulot, colossal financièrement. Et on est déjà ramené un trophée en 2 ans. Voilà, à peine. Voilà. Donc merci aux Fredkin. Ernesto. Donc voilà, il reste les 5 minutes. Tu as quartier libre, qu'est-ce que tu aimerais dire? Tes objectifs peut-être pour l'année prochaine, ou alors une anecdote sur la Roma que tu aimerais partager, ce que tu veux. Voilà, je te laisse. Alors, bah déjà, une chose intéressante de cette société, c'est que les Fricking, ils ont décidé quand même de faire grandir toutes les équipes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concentrés que sur l'AS Roma, mais ils font des bons investissements sur les jeunes et sur Ouais. l'équipe féminine. Oui. Parce que cette année, l'AS Roma féminin, il a rejoint la deuxième place, qui veut dire Champions League. Donc, on a une équipe féminine qui va jouer avec les meilleures équipes d'Europe. Et là, c'est là aussi qu'on va construire vraiment une très bonne équipe pour jouer en Europe. Je suis convaincu que dans les prochaines semaines, voire mois, on aura deux nouveautés très importantes. La première, c'est le stade. Oh, Le stade de la stade. Roma. Je pense que c'est le moment finalement de présenter le nouveau projet du stade de l'AS Roma. Et le deuxième, je suis convaincu qu'il y aura le retour de Francesco Totti en société. Ah, ça, c'est quelqu'un qui dit ça dans le chat. Francesco Totti de retour en Oui, société, les amis. Et Ernesto est convaincu. Un stade et Francesco Totti en société. Ben, on le souhaite, revoir. Et peut-être un jour, pas maintenant, mais De Rossi aussi également. c'est mon rêve. C'est ton rêve, Ernesto. Mais je pense que De Rossi, il a besoin. Oui. Alors, c'est mon rêve de
que ce soit De Rossi qui prend la place de Mourinho. Ouais, Ça, ouais. c'est sûr. Sauf que j'ai pensé que De Rossi aurait fait une expérience déjà à partir de cette année avec une équipe moyenne. Il avait la possibilité d'aller à Cagliari, mais ils ont choisi un autre entraîneur. Il a besoin quand même de faire de l'expérience. Donc, il a besoin quand même de quitter l'Italie parce que ce n'est pas son rôle, son vrai rôle d'être à côté de Roberto Mancini. Pour lui, c'est important d'entraîner une équipe, une vraie équipe tous les jours. Et je rêve sur le fait que à partir du moment il y aura la fin du contrat avec Mourinho, il y aura De Rossi qui arrivera à Rome comme Xavi. Il a rejoint le Barcelone. J'espère vraiment que ça se passera comme ça. D'accord, et eh bien écoute, j'espère que tes souhaits vont se réaliser hein, en ce qui concerne De Rossi, Totti, le stade, mais nous aussi on a envie de ça. Hein, voilà. De Rossi apprend auprès du grand maître Mancini, c'est pas négligeable, et en plus il travaille avec la fédération, donc voilà. Voilà ce qu'il nous dit Elias. Ernesto, ben, merci beaucoup Bah, merci à toi pour cette heure pour fantastique l'invitation. d'avoir un grand tifoso qui connaît bien la Roma, qui a su voilà, donner son point de vue. Et Ernesto, j'espère réellement cette saison-là qui va arriver, pouvoir te rencontrer, pouvoir pourquoi pas aller voir un match avec toi. Ça me ferait très très grand Ensemble. plaisir, Ernesto, vraiment voilà, de pouvoir vivre ça avec toi. Et Je croise les doigts. on croise les doigts. Et si on a cette chance-là, je t'invite même, on va manger au restaurant de Vincent Candela, si tu connais. Oui, avec plaisir. Avec très grand Ça me plaisir. ferait plaisir d'aller voir un match avec toi et d'aller après au resto de Vincent Candela. Comme ça, si on peut le croiser, ce Vincent Candela, là, il est. Vincent Candela, c'est un personnage, Vincent Candela. Il est Bah, incroyable. tu... Alors, il dès qu'il est arrivé, j'ai encore chez moi le journal dans lequel il y a le titre du Candela qui arrive du Guingamp à l'AS Roma parce que c'est mon idole. Tony, bon. Il est vraiment atypique, ce Vincent Candela. Il est farfelu. Ernesto, tu as des messages de remerciement dans le chat. Merci de ta présence ce soir. On te remercie infiniment. Et tu m'entends? Tu m'entends toujours? Tu m'entends, Ernesto? Ah, je crois qu'on a perdu Ernesto. Ernesto? Il n'y a pas une bonne connexion, Rabat. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah non, on t'entendait plus. On t'entendait plus. Tu m'entends là? Allô, allô? Bah, merci à toi pour Ah, l'invitation. Oui, là, je t'entends. voilà. Voilà, je Je t'entends. te disais, je disais que oui. Ciao, Rabat. À la Ciao, prochaine. voilà. De grands merci à Ciao. toi. Ciao, Ernesto. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. Ernesto. Ciao. Ciao, ciao. Merci pour ta venue. Ciao, ciao. Bon voilà, il y a des problèmes de connexion, Ernesto, mais on ne va pas le retenir davantage. Merci infiniment à lui ben, d'être passé. Voilà, ça fait plaisir. J'enverrai un petit message pour le remercier encore une fois sur les réseaux. Bon, les amis, Ernesto Pellegrini, voilà, ça fait un petit moment que je voulais avoir ce monsieur parmi nous, qui est un très très grand connaisseur de la Roma. Voilà, ceux qui sont sur Twitter, qui le suivent. Voilà, il fait de très bons tweets, il a fait des articles aussi également sur des blogs. Il a l'air de connaître un peu le milieu, hein, voilà. Voilà, ça fait plaisir de recevoir des personnes comme ça qui te disent tiens, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et encore, on aimerait faire des heures de live avec des personnes comme ça. Quel invité, ben oui, quel invité, ben oui, Ernesto Pellegrini. Ben merci. Je lui rappellerai vos messages de remerciements, les amis, dans le chat. Oui, Elias, il y a Ayman, il m'a posé la même question sur les rumeurs mercato. Vraiment, on va vraiment attendre pour ma part, hein, voilà, Amour Roma, AS Roma francophone le font très bien. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des articles de mercato. Dario aussi également, il va reprendre les libres antennes à partir de juillet. Voilà les rumeurs mercato, tout ça. Mais voilà, si on commence à faire des en plus c'est compliqué pour nous parce que Dario c'est le lundi, moi c'est le jeudi, les émissions comme ça. Donc si on fait vraiment un live sur des rumeurs, qu'on passe du temps une demi-heure sur des noms, par exemple, admettons par exemple comme je disais à Imen tout à l'heure, j'ai vu passer Mandragora un jour, j'ai plus vu de Mandragora. Voilà, par exemple des mecs comme ça.
perdre du temps à parler de rumeurs. Mais oui, vous inquiétez pas, il y aura des live mercato, il y aura Dario s'en chargera de faire des lives de rumeurs, j'en ferai également aussi. Dès qu'un joueur signera, il y aura un live sur le joueur qui part ou qui arrive. Voilà, s'il y a une grosse bombe qui tombe, il y aura des lives, ben forcément, il y aura des lives le soir ou le lendemain même. Donc, vous inquiétez pas en ce qui concerne les rumeurs mercato, mercato sûr. Et puis des invités de prestige comme ça, comme Ernesto Pellegrini, voilà, qu'on adore, que j'embrasse encore une fois, je vais aller le remercier. Et normalement, jeudi prochain, on va recevoir Andrés González, del Chili, del Cuba, de l'Amérique du Sud. Voilà, non, voilà, Andrés, pour ceux qui le connaissent sur Twitter, voilà, il est latino. Et voilà, il a fait un, je crois qu'il a fait un voyage à la Roma, il a fait un voyage au centre de la Roma, et voilà, et lui, il travaille dans tout ce qui est aspect technique, tactique, avec son ordinateur. Donc voilà, Andrés on va voir Andrés qui, en plus, il parle français. Voilà, ben, si on a Andrés, c'est parce qu'il parle, oui, Andrés, on va l'avoir. Donc normalement, je dis à Andrés, je vais encore lui envoyer un nouveau message, mais normalement, on a Andrés, donc lui aussi, grand passionné de la Roma, à l'autre bout de la terre. Andrés et les amis, moi, bon, ça me fait plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon petit live. Et moi, je vous dis, ben, écoutez, à jeudi prochain, à moins de... J'ai pas fait de 19-27. J'espère que ce petit format 19-27 vous plaît. Alors, le but du truc, c'est que je fasse pas le journaliste. Sur le troisième, là, par exemple, celui de hier, j'ai fait un peu le journaliste, à raconter un peu et voilà, c'est pas forcément le but de ce format-là. Vraiment, ce format 19-27, c'est vraiment pour vous proposer des avis, un coup de gueule, un coup de cœur, vraiment ce que je ressens, moi. Donc voilà, donc peut-être éventuellement faire sauter le mode quotidien. Mais voilà, si vraiment il y a des trucs voilà, je suis à faire des 19-27, je le fais si vraiment c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, il n'y aura pas 19-27, parce que voilà, je n'ai pas envie de me mettre dans la peau du journaliste avec de l'actualité. Amour Roma et Astro Francophone le font très bien. Voilà, moi, c'est plus, voilà, je suis plus dans ce que j'ai envie de dire, quoi. Et d'ailleurs, voilà, le 19-27, c'est un format aussi que j'ai envie de partager avec vous. Donc si jamais il y a une personne qui veut m'appeler sur un sujet comme ça et on fait une vidéo courte, voilà, moins de 10 minutes comme ça, c'est avec grand plaisir. Ou alors si quelqu'un a vraiment un sujet très 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 intéressant, très important, et qu'il veut me remplacer à la caméra au 19-27, et on se débrouille pour que je l'enregistre en caméra et qu'il parle lui face caméra, c'est avec grand grand plaisir aussi. Voilà, le 19-27, c'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi. Hein. Donc voilà les amis, merci, excellent, avec grand plaisir, Soledad, avec grand plaisir, avec grand très grand plaisir. Merci à vous tous, ceux qui étaient dans le chat. Merci à ceux qui vont regarder le replay. Je rappelle, est-ce qu'on va francophone? Amoroma.fr, les réseaux sociaux francophones sur la Roma. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous embrasse. Et Forza Roma, c'est